Salut à tous, c'est Nastichi. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur comment bien commencer dans War Thunder avec les tanks, donc Ground Forces. J'espère que ça vous plaira. Je vais aborder quelques sujets, donc comment faire des recherches, comment gérer votre équipage, quoi évoluer en premier, quoi rechercher, ce qui est intéressant, etc. Comment bien comprendre vos tanks et ce genre de choses. Je me lancerai dans des tutoriels plus en détail sur comment bien se battre, comment se placer, etc. Ne vous inquiétez pas. Et pour l'instant, je vais faire ça pour un petit peu ceux qui viennent d'arriver sur le jeu. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao à tous. Donc la première chose à savoir quand vous arriverez dans le jeu, c'est comment utiliser vos premiers tanks. Donc ça peut pas me paraître évident au premier abord, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc ça c'est simple. Là vous voyez, donc je me suis mis chez les Allemands. Comme si vous arriviez la première fois en jeu, donc j'ai juste un avion qui est mis en jeu. Et maintenant vous aimeriez bien commencer avec vos tanks. Qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Il vous suffit de cliquer ici sur l'onglet Rechercher. Vous allez venir voir ici, vous voyez Aviation, et là vous avez Armée. Si vous cliquez dessus, vous allez voir l'arbre de recherche des chars. Maintenant, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est donc de prendre votre char de réserve, cliquer sur Mise en service. Et ensuite choisir votre slot. Bon, au début vous n'en aurez pas autant évidemment, vous n'en avez que 3 si je m'abuse pas. Et puis vous choisissez le slot où vous voulez mettre, vous mettez mise en service et boum, il sera mis dans le slot. Et alors vous pourrez commencer à l'utiliser. Moi j'en ai quelques-uns évidemment, hein, mais je vais pas tous les remettre. Ensuite, pour commencer immédiatement un combat, c'est très simple. Si vous voulez faire un combat avec des avions, vous voyez ici j'ai sélectionné Air Battles. Vous pouvez venir ici mettre si vous voulez faire une historique ou une arcade. Et ensuite, pour démarrer une bataille avec des tanks, il vous suffit de mettre Tank Battles. Voilà. Et cliquez sur à la bataille. Et vous voyez, et tout de suite, ça vous lance une bataille. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Maintenant, on va passer à la suite. Un autre élément important, c'est de bien connaître son tank, ses faiblesses, ses capacités et surtout son rôle. Vous n'allez pas jouer de la même façon avec un tank destroyer qu'avec un tank léger. Même chose si c'est un tank lourd. Chacun a son type de jeu bien précis. Vous n'allez pas faire ce que vous faites avec un light tank, vous n'allez pas le faire avec un tank destroyer, c'est évident. On y reviendra bien sûr plus tard dans des tutoriels que je ferai plus tard. Quand on regarde les caractéristiques d'un tank, vous allez venir là, c'est vraiment là que vous allez voir la totalité. Vous faites simplement avec votre souris, vous vous mettez au-dessus et vous regardez. Donc vous verrez ici le nom, hein, au-dessus de la petite fiche. Panzer 2C, un tank léger, light tank. Ensuite, en dessous, sa photo. Ensuite, vous verrez rank 1, battle rating 1.0. Donc ça, c'est sa valeur, si vous voulez. Le max repair cost, gratuit. Donc ça, c'est un tank de réserve, donc il est gratuit. Ça ne s'applique pas pour tous, hein. Si vous regardez ici. Réparation, max repair cost, on est à 110. Et plus vous montrez évidemment, plus ce sera cher. Max repair cost 7490. Ça commence à picoter sévère. Donc quand on regarde plus bas, masse, donc c'est son poids, sa puissance moteur, sa vitesse maximale, son maximum inclination, ça je ne sais pas bien à quoi ça correspond, pour être très honnête. Turret rotation speed, ça c'est la vitesse à laquelle votre tourelle va pivoter. Vertical Guidance, ça c'est le degré d'inclinaison que vous pourrez faire avec votre canon. Donc vous pourrez le baisser de 2 degrés vers l'avant et le remonter de 20 degrés maximum. Ça c'est ce qu'on appelle la Gun Depression en anglais. C'est important aussi également, hein. Ça peut vous permettre de tirer par exemple d'une colline sur des ennemis en contrebas ou pas. Ensuite, on a Hull Armor and Turret Armor, donc ça c'est le blindage. 35 pour le Hull Armor, vous avez 35 à l'avant, 15 sur les côtés, 15 à l'arrière. Turret, vous avez 30 à l'avant, 15 sur les côtés, 15 à l'arrière. La Armor Penetration, ça c'est l'épaisseur de blindage que vous allez parvenir à pénétrer de base. Donc vous avez 25, 20 et 13 mm à distances. Donc vous voyez, vous avez 25 mm de pénétration à 100 mètres, 20 à 500 et 13 à 1000 mètres. Ce sont des choses que vous pourrez modifier avec différents types de munitions, ça on y viendra après aussi. Fire rate, donc ça c'est le nombre de tirs que vous pouvez faire par minute. Donc pour ce tank là, 325, donc il tire très rapidement. Reloading rate, donc vous allez recharger toutes les 7 secondes 7. Sans avoir amélioré votre équipage bien entendu. Et pré-réglage de l'armement, ça je vous avoue que je ne comprends pas encore ce que ça veut dire. Et ensuite vous avez
le type de canon que vous avez dessus et non de munitions de base que vous pouvez transporter. Voilà, donc ça c'est très très important de bien connaître son char. Et surtout de bien connaître le char contre lequel vous allez vous battre. Ça c'est quelque chose que vous allez apprendre au fil du temps, bien entendu. Voilà, on passe à la suite. Nous allons maintenant passer à un autre point extrêmement important du jeu et qu'on a déjà abordé pour les avions si vous avez déjà regardé un de mes précédents tutoriaux. On va parler de l'équipage et des unlocks, donc tout ce qui est différentes armes et équipements que vous pourrez rajouter sur votre tank pour l'améliorer. On va commencer par l'équipage. On va commencer par l'équipage. Donc si vous allez ici, vous cliquez sur votre char et vous allez avoir tout ça qui va arriver. Donc changer d'avion. C'est pour changer de véhicule, donc vous pouvez mettre un avion ou un autre char sur le même slot. Si vous allez sur armes, vous pourrez changer votre équipement, ça on y reviendra après. L'équipage, on y arrive tout de suite, c'est pour augmenter leur capacité. Customisation, c'est pour refaire votre peinture, etc. Test drive, ça dit ce que ça dit, hein, c'est pour le tester. Et les infos, ça vous donne une description un petit peu plus historique du char, mais ça c'est pas encore disponible pour les tanks. On va se mettre tout de suite à l'équipage, donc on clique dessus, et là vous allez arriver là-dessus. Alors, vous pouvez avoir accès aux skills de votre équipage pour les avions et pour les véhicules au sol. Et vous verrez que ici ça change très fort. Hein. Et d'ailleurs, je remarque que sur cet équipage-là, j'ai absolument rien amélioré pour mes avions, mais là n'est pas le sujet. Donc ici, on arrive sur le tableau des skills de l'équipage pour les chars. Donc on a le conducteur, le tireur, le commandeur, le rechargeur, le mec qui s'occupe des opérations radio et les califes. Ça c'est encore un truc bien particulier. Alors, simplement pour améliorer votre équipage, tout ce que vous aurez à faire c'est cliquer sur le petit plus qui est ici. Alors je vais peut-être vous prendre un équipage où j'ai des crew skills à distribuer. Attendez, quel que j'avais mis sur ce slot là moi. C'est le deuxième sur mon stock. Voilà, donc si je vais sur équipage, j'ai pas de points non plus, attendez, c'est la fête, attendez. Dû préparer ça à l'avance. Voilà, si je vais sur Crew Skills ici, donc vous allez voir que je peux distribuer mes points simplement en appuyant sur le petit plus. Voilà, vous avez vu, ça les a déduits de là et ça m'a rajouté un point. Et si je refais encore, hop, ça passe à 17. Et puis vous appliquez et votre Crew Skill aura augmenté. Alors, lesquels choisir en premier? Il y a de grosses priorités. Hein. Déjà, si vous ne voulez pas risquer de vous faire one-shot votre équipage avec un obus explosif, je vous conseille très sincèrement de tous les augmenter niveau vitalité. Vous pouvez voir ici que je l'ai déjà fait pour la majorité de mon équipage. Sauf pour mon loader, hein. Je vais faire tout de suite devant vous. Tac, 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 appliquer, voilà. Je les passe à 10, 15 et ensuite à 20, chacun respectivement à leur tour. Ça augmente considérablement ma survivabilité sur le terrain, c'est très important. Ensuite, ce qui est également très important, c'est le field repair. Ça, c'est la vitesse à laquelle vous allez réparer sur le champ de bataille. Donc ça va vous permettre de revenir au combat plus rapidement. Ensuite, on a weapon reloading, évidemment. Donc là, vous allez recharger plus vite. Ça me semble assez évident. Et ensuite, vue puissante, ça vous permet de repérer vos adversaires de plus loin. C'est également très important. Ensuite, j'irai sur le field repair sur les autres également, ce qui vous permet de réparer plus vite. Donc voilà, voilà. Ensuite, sur qualification, c'est une fois que votre crew aura atteint ici, vous voyez, un certain équipage, vous pourrez payer quelques Lions pour lui faire augmenter d'un niveau et rajouter des caractéristiques gratuites à votre équipage. Je ne sais pas si je peux le faire avec un d'entre eux. Je pense pas. Attendez, je vais regarder. Voilà, donc je vais vous montrer avec le I-15R chez les Russes. J'ai retrouvé mon équipage le plus évolué. Vous voyez que j'ai un équipage de niveau 212. Vous voyez toutes mes caractéristiques ici qui sont évoluées. Vous voyez quand j'arrive ici, comme j'ai un niveau 212, je peux évoluer mes équipages de base avec tous ces avions-là. Donc admettons, prenez ça comme si c'était un tank. Hein. Si vous voyez ici que vous avez roulé avec, par exemple, un Panzer 2, ici vous verrez exactement la même chose, sous palais il sera écrit Panzer 2, base, et là vous pourrez payer ça. Et maintenant, donc vous regardez mes caractéristiques, hein, vous voyez un petit peu où ça en est. Maintenant je prends le niveau base avec le I-15R, amélioré, et boum, quand vous revenez ici, vous voyez, vous avez des crew skills gratuits. Voilà. Sur les tanks, ce sera exactement le même principe. Pile poil. Voilà.
J'espère que ça vous aura aidé, surtout si vous avez des questions un petit peu plus en détail là-dessus, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On passe à la suite. Une autre chose que vous avez tout intérêt à bien connaître, ce sont les améliorations de votre tank. On va regarder ça tout de suite. Donc, même principe, vous cliquez sur votre tank et vous allez sur Armes cette fois-ci. Armes. Et là, vous allez voir tous les unlocks qui sont disponibles pour votre char. Vous avez trois catégories: mobilité, protection, puissance de feu, firepower. Donc, firepower, c'est tout ce qui va être en rapport avec la précision et le déblocage d'autres munitions. Protection, ce sera les parts, c'est pour les réparations. Et le fire prevention equipment, ça c'est pour éteindre les feux quand votre moteur se met à cramer. Ultra important, sinon c'est vraiment, ça entraîne des morts vraiment hyper hyper frustrantes. Alors ici du côté mobilité, donc ça, Trax, c'est pour pouvoir réparer votre axe pendant le match. Donc pas vous les faire exploser, devoir rester immobile jusqu'à la fin du match ou devoir vous suicider. Suspension, brake system, filter, transmission, tout ça c'est pour augmenter la puissance de votre moteur et la stabilité de votre tank. Donc, une chose importante à savoir également, c'est que quand vous, à la fin des matchs, vous choisissez vos unlocks, vous voyez ici, vous avez des tiers. Tier 1, 2, 3, 4. Ce que j'essaye un maximum de faire, c'est de toujours débloquer toute la première ligne, puis toute la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. La raison à ça, c'est que quand vous débloquez tout un tiers, vous avez un bonus en recherche. Et ça, parfois, ça vous permet de débloquer 3, voire parfois 4 tirs d'un seul coup si vous gérez bien vos unlocks à la chaîne. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Ici, vous pouvez voir quel type de canon vous avez. Et ici, vos munitions. Ce qui me permet également de vous parler des munitions assez brièvement. Quand vous faites un hover avec votre souris par-dessus, vous allez voir les détails qui vont arriver. Ici, vous voyez qu'il est écrit, donc c'est des BR-243P. Ça me parle pas plus qu'à vous. C'est un magasin de munitions pour canon de 45 mm contenant EPCR obus. PCR, ça veut dire Armor Piercing Composite Rigid Shell. Donc ça, vous avez ensuite les détails en dessous. Projectile Mass, donc le poids. Ça va influencer sur le drop, donc sur la distance à laquelle, enfin, la façon dont l'obus va tomber plus rapidement. Muzzle Velocity, donc c'est la vitesse à laquelle il va sortir votre canon. Ça va vous permettre de moins devoir tirer devant vos cibles quand elles sont en mouvement. Et ensuite, la pénétration. Là, vous voyez, 10 mètres, 100 mètres, etc. Et là, vous avez les différentes épaisseurs de blindage que ça peut perforer. Ensuite, vous avez les autres. Ici, on a quoi? Armor Piercing High Explosive Ballistic Cap Shell. Alors ça, si vous regardez les caractéristiques, c'est un boulet qui est moins rapide, qui pénètre deux fois moins, mais qui, à l'impact, quand il va pénétrer, va exploser et qui est capable de faire des monstres de dégâts à l'intérieur des chars et de vraiment les arracher complètement. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Armor Piercing, donc ça, c'est le même principe, sauf que elle pénètre moins bien que celles-ci, qui sont des obus spéciaux, c'est les premiers que je vous dis, avec Rigid Shell, donc c'est une pointe plus dure, elle pénètre mieux. Vous voyez, la forme, hein, elle pénètre beaucoup mieux, ça a moins tendance à rebondir. Celles-ci, c'est les simples Armor Piercing, et celles-ci, donc c'est High Explosive. Donc celles-là n'ont aucune pénétration, mais elles explosent à la surface des chars et elles sont capables de détruire les canons, de détruire leurs chenilles très rapidement ou de vraiment endommager l'extérieur du char. Ça permet parfois de les neutraliser sans avoir à les détruire forcément. Donc voilà, il faut bien essayer de jouer avec ces différentes munitions. C'est vraiment important à savoir. En sachant bien que celle-là, si vous regardez bien, très très lourde les obus et très très lente. Donc là, vous allez devoir faire attention quand vous voulez toucher des cibles en mouvement. Voilà, j'espère que c'était clair. On passe à la suite. Maintenant, le dernier point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est les quelques comportements à bien garder en tête pour éviter d'être frustré dès les premières parties et de vouloir arrêter. Donc surtout, gardez bien en tête que vous êtes en tank. Vous allez être lourd, vous allez être lent, vous allez avoir du mal à tourner et surtout, vous allez avoir une grosse inertie. Gardez bien ça en tête. Ne vous jetez pas au milieu des adversaires parce que s'ils sont trois en face de vous et qu'ils vous attendent, ils vont littéralement vous poutrer. Surtout au début de votre partie, si vous n'avez pas encore évolué vos crew skills et votre équipement, vous allez avoir un temps qui va être un petit peu moins rapide, un petit peu moins maniable. Votre équipage va certainement se faire assommer, voire tuer beaucoup plus facilement. Donc soyez prudent au début de vos parties. Restez sur place, derrière un énorme rocher, en attendant que le chemin soit libre pour avancer. Ça ne s'appelle pas camper. Ça s'appelle garder sa position avant de rusher comme un boulet et de se faire déchirer en plein milieu d'un champ. C'est le principe.
Vous n'allez jamais vous retrouver au milieu d'un champ avec quatre types sur les montagnes autour de vous qui vous regardent en contrebas. C'est pas jouer l'objectif, c'est se suicider. Vous devez être plus intelligent que votre adversaire. Déplacez-vous sous couverture. Restez derrière les arbres. Évitez de vous faire repérer. Si vous voyez que vous êtes derrière un ennemi, ne tirez pas tout de suite. Rapprochez-vous et tirez-lui droit dans le moteur ou essayez de lui détruire son canon ou quelque chose comme ça. Soyez plus malin. Ne vous faites pas repérer si c'est pas utile. Voilà. Surtout également, profitez de la maniabilité de vos chars. Au début, vous allez avoir des chars qui sont très légers et vous allez vous retrouver contre des tanks parfois plus lourds, comme le Stuk 3. C'est un tank destroyer qui n'a pas de tourelle. Lui ne peut tirer qu'en marche avant. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où j'ai détruit un Stuk 3 où son pilote n'a jamais pu, ne fût-ce que tirer sur moi. Où je tournais autour de lui, je tirais dans son moteur, au moment où il voulait se retourner, je continuais à tourner en même temps que lui, et j'ai fini par l'avoir à l'usure. C'est vraiment hyper frustrant pour eux, mais c'est hyper jouissif pour vous, j'aime autant vous le dire. Donc, gardez également ça en tête. N'oubliez pas de changer de munition. C'est important, chaque munition a sa situation bien particulière. Utilisez des munitions à haute vélocité et à grosse pénétration quand vous êtes loin. Utilisez des munitions explosives avec moins de capacité de pénétration quand vous êtes plus près. Ça vous permettra de faire plus de dégâts. Ce genre de petites choses. Donc gardez bien tout ça en tête. Également, une chose très importante à respecter, c'est de bien respecter un angle avec votre char quand vous êtes face à un adversaire. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo pour vous représenter ça. Si vous gardez un, si vous, si vous êtes face à votre ennemi, ses obus vont moins facilement rebondir sur votre blindage. Tandis que si vous vous mettez approximativement à 45 degrés d'inclinaison par rapport à lui, s'il tire sur le côté de votre tank, vous avez de grandes chances que l'obus rebondisse. C'est géré par le jeu. Le jeu calcule d'abord la capacité de pénétration de l'obus et ensuite l'angle qu'il fait avec votre blindage et selon ça décide si vous avez une pénétration ou pas. Donc gardez bien ça en tête. Si vous avez un ennemi devant vous et un sur le côté, essayez de faire un angle avec au moins un des deux et de présenter votre blindage frontal à l'autre. Vous voyez, ça vous permettra d'encaisser plus de dommages. Pareil, j'ai déjà encaissé des tonnes de dommages comme ça et l'adversaire en face ne comprenait pas pourquoi je résistais autant. Voilà. Donc, tous des petits éléments comme ça qui sont importants à garder en tête et j'espère que ça vous aura aidé. Voilà. On va en rester là pour l'instant. Je vous ferai des tutoriels plus en détail sur différents aspects du jeu plus tard. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez du feedback, quelque chose que vous trouvez que je fais de travers, n'hésitez pas à me le dire également. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook. Le lien est dans la description. Si les musiques vous ont plu, regardez également, ça y est. Et j'espère qu'on se reverra pour une prochaine vidéo. Ciao à tous et à plus tard.